Bonjour à tous et bienvenue sur CBMaths. Dans cette vidéo, nous allons parler des intervalles de fluctuation, échantillonnage et intervalles de confiance, estimation. Cette vidéo est destinée aux élèves de terminale qui vont passer le bac S, ES, STMG et STI2D. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept d'intervalle de fluctuation et d'intervalle de confiance à travers un exemple. Et je vais vous proposer 4 exercices dont je donnerai la correction dans cette vidéo. Alors, échantillonnage, là on va parler donc d'intervalle de fluctuation. Ici, on va prendre une population et on va étudier un caractère et sa proportion qu'on va noter P. P est connu, donc P connu, ou alors on fait une hypothèse sur P, donc hypothèse sur P. Donc ici, qui dit hypothèse sur P, dit aussi prise de décision. Alors, on va prendre une population, voilà, une population, et on va étudier dans cette population, on va dire d'humains, on va étudier la proportion de personnes qui ont les yeux bleus. Dans la population totale, 20% ont les yeux bleus. 20% de la population totale, 20% des personnes de la population totale ont les yeux bleus. Donc ici, on sait que P est égal à 0,2. Alors, on va ici supposer donc qu'il y a 20% de la population totale qui ont les yeux bleus. Donc ici, on fait une hypothèse, donc on va tester cette hypothèse en prenant un échantillon dans la population. Voilà, un échantillon N est égal à 400. Et dans cet échantillon, 70 personnes ont les yeux bleus. Alors, on connaît N. N est égal à 400. P est égal à 0,2. Alors, conditions, on doit vérifier des conditions de validité avant d'écrire l'intervalle de fluctuation. Donc ici, intervalle de fluctuation au seuil de 95% ou 0,95. Ça veut dire que si on fait l'hypothèse, si la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation, alors on ne rejette pas cette hypothèse, mais si la fréquence d'observation n'appartient pas à l'intervalle, on peut rejeter cette hypothèse avec une probabilité de se tromper de 5%, donc d'avoir bon de 95%. Alors, on vérifie les conditions de validité. Donc ici, N doit être supérieur à 30. Donc ici, 400 supérieur à 30. Oui, c'est bon. N fois P, 400 fois 0,2, c'est égal à 80, qui est supérieur ou égal à 5. N fois 1 moins P, eh bien, c'est 400 moins 80, 400 moins 80, 400 moins 80, 320, qui est supérieur à 5. Donc les conditions de validité sont vérifiées, donc on peut construire l'intervalle de fluctuation, au seuil de 95%. Alors, pour les S, ES et STI2D, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% va être celui-ci, P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N, P plus 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N. Ici, notez bien que il y a moins, P plus, ça fait penser aux racines d'un polynôme du second degré. Donc les racines d'un polynôme du second degré. Alors on va calculer cet intervalle et après on précisera l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour les STMG. Donc P c'est 0,2 moins 1,96 racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de 400, 0,2 plus 1,96, racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de 400. Alors notez que j'ai pris n est égal à 400 parce que ici racine de 400 ça va être 20. Donc ça tombe juste. On va pouvoir calculer ça. 0,1608. On reprend l'expression et on met plus ici 0,2392. 0,2392. Donc voilà l'intervalle de fluctuation, seuil de 95% pour la série S, ES, STI2D. Maintenant pour les STMG, donc ici, STMG, intervalle de fluctuation est donné simplement par P moins 1 sur racine de N, P plus 1 sur racine de N. Donc ici, 0,2 moins 1 sur racine de 400, 0,2 plus 1 sur racine de 400. 1 sur racine de 400 c'est 1 sur 20, 0,05, donc ici on a alors 0,2 moins 1 sur racine de 400, on va trouver 0,15 et ici 0,25. 0,15 et 0,25. 0,15, 0,25. Vous noterez que cet intervalle-là est inclus dans cet intervalle STMG, donc ici I2, ici I1. I1 est inclus dans I2. Alors maintenant, on calcule la fréquence d'observation. Fréquence d'observation, eh bien c'est, on a 70 personnes qui ont les yeux bleus, donc 70 sur 400. On peut calculer 70 sur 400. On va trouver 0,175. 0,175 qui appartient aux intervalles de fluctuation calculés, donc I1 et I2. Donc ici, on ne rejette pas l'hypothèse qui était que 20% de la population totale, donc 20% de la population totale ont les yeux bleus. Estimation, donc estimation ici, ça va être donc intervalle de confiance, au seuil de 95%. Ou encore 0,95. Donc ici, P est inconnu. P inconnu. Donc ici, on va faire une estimation de la valeur de P à l'aide de l'intervalle de confiance. Alors ici, on va reprendre le même exemple. Population d'humains, on va prendre donc un échantillon pour estimer P, la proportion de personnes qui ont les yeux bleus. Donc ici, on va prendre N est égal à 2500. N est égal à 2500. Et dans ces 2500 personnes, il y a 1000 personnes, 1000 personnes qui ont les yeux bleus. Donc ici, on a une fréquence observée. Donc on a N est égal à 2500. La fréquence observée, F, eh bien c'est 1000 sur 2500. 1000 sur 2500, c'est égal à 0,4. On va vérifier les conditions de validité. Conditions de validité. Alors les conditions de validité sont valables pour toutes les séries. J'ai oublié de préciser, conditions de validité valables pour toutes les séries, pour les intervalles de fluctuation, et intervalles de confiance valables pour toutes les séries. Donc conditions de validité, N est égal à 2500 qui est supérieur à 30. N fois F, alors N fois F, vous voyez, c'est 2500 fois 1000 sur 2500. Ici 2500 peut simplifier, donc il va rester 1000. Donc en fait c'est le numérateur de F, N fois F. C'est supérieur à 5. N, 1 moins F. N1 moins F, c'est 2500 moins 1000, 1500 qui est supérieur à 5. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser donc l'intervalle de confiance, ici pour les S, ES et STMG. Bien, c'est donné par F moins 1 sur racine de N, F plus 1 sur racine de N. 0,4 moins 1 sur racine de 2500, 0,4 plus 1 sur racine carrée de 2500. 0,4 moins 1 sur racine de 2500, 0,38. Donc ici on voit un écart de 0,02, donc là 0,4 plus 0,02, 0,42. Au seuil de 95%, on peut affirmer que P appartient à l'intervalle 0,38-0,42. Par contre, on ne peut pas affirmer une valeur précise dans l'intervalle. On sait que P est compris entre 0,38 et 0,42, avec un risque de se tromper de 5%. Alors maintenant, pour les STI2D, l'intervalle de confiance est donné par, donc, même forme que l'intervalle de fluctuation pour les S, ES et STI2D, F moins 1,96 racine de F, 1 moins F, sur racine de N, F plus 1,96 racine de F, 1 moins F, sur racine de n. Alors, peut-être que vous allez me demander d'où vient ce A96. Et en fait, si x suit la loi normale de paramètre 0,1, voilà, x suit la loi normale de paramètre 0,1, la probabilité que x soit compris entre moins 96 et 1,96 est égale à peu près à 0,95. X suit la loi normale de paramètres 0 et 1, ici, moins 96, 1,96, ça donne 0,95. Donc ici, f moins 1,96, ici, on va voir 0,4 moins 1,96 racine de 0,4 fois 0,6 sur racine de 2500. 0,4 plus A96, racine de 0,4 fois 0,6 sur racine de 2500. On peut calculer. 0,4 moins 1,96, racine de 0,6 fois 0,4 sur racine de 2500. 0,3807, 0,3807, 0,4192. Ainsi, on peut remarquer que IC est inclus dans cet intervalle-là. Et donc au seuil de 95%, on peut affirmer que aussi P appartient à cet intervalle-là 0,3807 et 0,4192. On a une estimation un peu plus précise. Donc voilà pour les intervalles de fluctuation et intervalles de confiance. Bien, avant de s'entraîner sur des exercices, on peut voir donc sur la calculatrice NumWorks qu'on peut avoir directement les intervalles de fluctuation. Ici, prédiction 95, c'est pour l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de S, ES, STI2D. Donc ici, c'était 0,2 et 400. Voilà, on a bien les deux bornes. Ici, on reconnaît aussi l'intervalle de fluctuation qu'on a vu en secondes. Donc ici, on l'a directement sur NumWorks. Intervalle de fluctuation prédiction, voilà, 0,2 400, voilà, 0,15 0,25, on trouve bien les valeurs ici. Pour l'intervalle de confiance, on peut, donc SES, STMG, on peut retrouver cet intervalle de confiance ici. Donc 0,2, alors ici c'était 0,4, 2500, voilà, 0,38, 0,42. Et pour avoir l'intervalle de fluctuation de confiance, donc l'intervalle de confiance pour les STI2D, vous remarquez que c'est la même forme que l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, en remplaçant P par F. Donc ici, on peut reprendre prédiction 0,4, 2500, et on obtient les intervalles de confiance pour la STI2D. Exercice. Naissance. En France, il naît 51,2% de garçons et 48,8% de filles. Déterminer un intervalle de fluctuation à au moins 95% de la fréquence des garçons dans un échantillon de 1000 naissances. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez faire cet exercice. On fait la correction dans quelques instants. Alors, ici, n est égal à 1000, n est égal à 1000, p, donc on veut une fréquence de garçon, donc ici 51,2%, donc 0,512. Alors, condition de validité. Validité. Donc n égale à 1000, qui est supérieur à 30, oui. n fois p, 1000 fois 0,512, qui est égal à 512, qui est supérieur à 5. n fois 1 moins p, 1000 moins 512, eh bien 488, supérieur à 5. Alors, ici, intervalle de fluctuation pour les S, ES, STI2D. L'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est donné par I1 égale à P moins 1,96 racine de P1 moins P sur racine de N, P plus 1,96 racine de P1 moins P sur racine de N. Donc on remplace les valeurs numériques. 0,512 moins 1,96 racine de 0,512 fois 0,488 sur racine de 1000. Même chose, 0,512 plus 1,96 racine de 0,512 fois 0,488 sur racine de 1000. Moins 1,96 fois racine de 0,512 fois 0,488 sur racine de 1000. On va trouver 0,481 et on prend la formule, on met plus 0,543. 0,543. Voilà pour l'intervalle de fluctuation pour les SES, STI2D. Maintenant, pour les STMG, on reprend donc I2 égale à P1 sur racine de N, P plus 1 sur racine de N. On obtient 0,512 moins 1 sur racine de 1000, 0,512 plus 1 sur racine de 1000. 0,512 moins 1 sur racine de 1000, 0,4803, 0,4803, plus 0,5436, Voici donc les différents intervalles de fluctuation à au moins 95% de la fréquence d'équation dans un échantillon de 1000 naissances. Exercice 2, intention de vote. Une semaine avant le second tour de l'élection municipale dans la commune de Guyenne-Provence, un sondage est effectué sur 1024 personnes choisies au hasard parmi les 42 821 inscrites sur la liste électorale. 532 personnes interrogées ont déclaré qu'elles voteront pour le maire sortant, M. Ladin. En supposant que les votes seront conformes aux intentions de vote, le maire sortant a-t-il des raisons de penser qu'il sera élu au second tour? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice et on donne correction dans quelques instants. Alors ici, attention de ne pas se tromper, population totale 42 821, échantillon N égale à 1024, N est égal à 1024. La fréquence observée, ici on ne connaît pas P, donc on calcule la fréquence observée, 532 sur 1024. 532 sur 1024, ça ne tombe pas juste, donc on va laisser la fraction. Alors, condition de validité. Validité. Donc ici, n égale à 1024, qui est supérieur ou égal à 30. n fois f, eh bien, c'est 1024 fois 532 sur 1024, c'est 532, qui est supérieur ou égal à 5. n, 1 moins f. 1024 moins 532, 492. 492 qui est supérieur ou égal à 5. Donc ici les conditions de validité sont vérifiées. Ici on va pouvoir construire donc les intervalles de confiance. Ici S, ES, STMG. Alors la formule est donnée par IC est égale à F moins 1 sur racine de N. F plus 1 sur racine de N. Donc ici F 532 sur 1024 moins 1 sur racine de 1024, 532 sur 1024, plus 1 sur racine carrée de 1024. On calcule, 532 sur 1024, moins 1 sur racine carrée de 1024, 0,4882 plus 0,5507. Donc ici, pour les S, ES, STMG, le maire sortant n'a pas raison de penser qu'il sera élu au second tour avec un risque de se tromper de 5%. Alors pour les STI2D, donc l'intervalle de confiance, c'est F moins 1,96, F racine de F 1 moins F sur racine de N, F plus 1,96, racine de F 1 moins F sur racine de N. Donc égale 532 sur 1024 moins 1,96 sur, alors on va peut-être calculer 532 sur 1024, donc ça fait 0,519 fois 0,4804, donc 0,48 sur racine de 1024, 532 sur 1024, plus 1,96, racine 2, je vais pas réécrire, c'est un peu long, donc on reprend cette expression, racine de 0,519 fois 0,48 sur racine de 1024, on calcule. Alors 532 sur 1024 fois moins 1,96, racine de 0,51,9 fois 0,48 sur racine 2024 et plus 0,48,89, 0,48,89 et 0,55,01. 0,55,01. Donc ici, même chose, le maire sortant n'a pas raison de penser qu'il sera élu au second tour, car ici, 0,48 est inférieur à 0,5, et donc la proportion de gens qui pourraient voter pour M. Ladin peut être inférieure à 0,5. Alors, dans les exercices 3 et 4, on va s'intéresser donc, ici ce sera l'intervalle de fluctuation, donc l'intervalle de fluctuation pour les S, ES, STI, 2D, et exercice 4, ce sera un intervalle de confiance pour les S, ES et STMG. Alors ici, le responsable d'une grande zone commerciale affirme 70% de notre clientèle réside dans le département. Il souhaite toutefois vérifier son propos en menant une enquête en utilisant la méthode par intervalle de fluctuation asymptotique. Donc ici, on suppose qu'il y a 70% de notre clientèle résidant donc dans le département. C'est une hypothèse. Quel effectif minimal de clients tiré au sort doit-il interroger? On interroge N clients, la fréquence observée de clients résidents dans le département est de 0,6. Par la méthode des intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, l'hypothèse de 70% n'a pas été rejetée. Ici, l'hypothèse de 70% est dans l'intervalle de fluctuation. Quelle information peut-on en tirer sur elle? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre cet exercice. On donne une correction dans quelques instants. Correction donc de la première question. Quel effectif minimal tiré au sort doit-il interroger? Donc ici, N doit être supérieur à 30. On sait que P est égal à 0,7. P est égal à 0,7. Donc N fois P doit être supérieur à 5. N fois P doit être supérieur à 5. 0,7 fois N doit être supérieur à 5. N peut être supérieur à 5 sur 0,7. N peut être supérieur à 5 sur 0,7. 7,14. 7,14. Et bien entendu, N 1 moins P doit être supérieur à 5. Donc ici, N 0,3 fois N doit être supérieur à 5. N doit être supérieur à 5 sur 0,3. 5 sur 0,3, 16,7. 16,6. 16,6. Donc ici, on veut N supérieur à 30, N supérieur à 7,14, N supérieur à 16,6. Donc conclusion, N doit être supérieur à 30. Si vous voulez vous en convaincre, vous faites un axe. Donc ici, 30, 16,6, donc on va dire 17 si on arrondit. Et là, 8. Bien entendu, c'est pas à l'échelle, mais c'est pour vous expliquer comment on fait pour retrouver ce résultat, donc cette équivalence. Donc ici, N supérieur à 30. N supérieur à 17. Voilà. Et ici, N supérieur à 8. Vous voyez que l'intersection de toutes ces inéquations, eh bien c'est N supérieur à 30. On a les trois traits ici. Donc, effectif minimal de clients tiré au sort doit-on interroger? Eh bien, N doit être supérieur à 30. Alors on a interrogé N clients, donc on va savoir N, la valeur de N. Par la méthode des intervalles de fluctuation au seuil de 95%, l'hypothèse de 70% n'a pas été rejetée. On sait que la fréquence observée est de 0,6. Donc ici, l'intervalle de fluctuation, qu'on appelait I, eh bien c'est 0,7 moins 1,96 racine de 0,7 fois 0,3 sur racine de n, 0,7 plus 1,96 racine de 0,7 fois 0,3 sur racine de n. On sait que la fréquence observée appartient à i, 0,6 appartient à i, donc ici 0,7 moins 1,96 inférieur ou égal à 0,7 fois 0,3 sur racine de n doit être inférieur à 0,6. 0,7 moins 1,96 racine de 0,7 fois 0,3 sur racine de n doit être inférieur à 0,6. Donc ici, moins 1,96 racine de 0,7 fois 0,3 sur racine de n. Donc ici, inférieur à moins 0,1. On multiplie par moins 1, donc on va changer le sens de l'unité. 1,96 fois racine de 0,7 fois 0,3 sur racine de n, supérieur à 0,1. Donc ici, on aura 1 sur racine de n, on va diviser par 1,96 racine de 0,7 fois 0,3. Donc ici, on a supérieur à 1 sur... Donc 0,1 c'est 1 dixième, 10, fois 1,96, fois racine de 0,7, fois 0,3. Donc racine de n. On va prendre l'inverse, donc ici on a pris l'inverse, donc on échange le sens d'inégalité. Racine de n c'est 10 fois 1,96, fois la racine, on calcule 96, 10 fois 1,96 fois la racine carrée, 0,3 fois 0,7, racine de n, on va renoter, racine de n c'est inférieur ou égal à 1,96 fois 10 fois racine de 0,3 fois 0,7, on a trouvé racine de n inférieure à 8,98, donc n supérieur, donc n inférieur à, donc ceci au carré, ce qui va nous donner 80,67, 80,67, donc ici, quelle information peut-on tirer sur n? N est inférieur à 80, donc n inférieur à 80. Exercice 4, ajustement du traitement cardiaque. Jean s'est fait poser un holter tensoriel qui mesure le nombre de battements de cœur par minute BPM et la tension artérielle toutes les 15 minutes pendant 24 heures. On dit que le résultat est anormal si le nombre de BPM est supérieur à 100 et la tension artérielle supérieure à 14,9. Le cardiologue a indiqué à son patient que si avec une confiance de 95%, la majorité de ses résultats étaient anormaux, alors il augmenterait les doses de son traitement. Quel est le nombre minimal de résultats anormaux que Jean doit obtenir pour que le cardiologue décide de lui augmenter les doses de son traitement? Donc c'est-à-dire, ici, intervalle de confiance, confiance de 95%. Donc, dans l'intervalle de confiance, la borne inférieure doit être supérieure à 0,5. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre cet exercice. Nous allons proposer une correction dans quelques instants. Alors la correction, donc ici, n est égal à, donc on a fait 15 minutes, donc une mesure tous les 15 minutes pendant 24 heures, donc il y a 4 quinzaines de minutes dans une heure, donc 4 fois 24 égale à 96. Alors la fréquence, on sait 96, donc ici ça va être, on va noter K sur 96, donc on va chercher le nombre de résultats normaux que Jean doit obtenir pour que le cardiologue décide de lui augmenter les doses de son traitement. Donc K sur 96, alors il faut que N soit supérieur à 30, ce qui est bon. N fois f supérieur à 5, donc k doit être supérieur à 5. Et il faut que n1 moins f doit être supérieur à 5. Ici, on les conditions de validité, on les vérifiera, donc surtout nf et n1 moins f doit être supérieur à 5. Alors on peut avoir des conditions sur k, ici. Donc ici, k doit être supérieur à 5. Ici, 96 moins k doit être supérieur à 5. Donc l'intervalle de confiance au seuil de 95% est donné par, ici, f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Donc ici, k sur 96, moins 1 sur racine de carré de 96, k sur 96, plus 1 sur racine carrée de 96. Alors ici, on veut que la borne inférieure soit supérieure à 0,5. K sur 96 moins 1 sur racine carrée de 96 doit être supérieur à 0,5. Donc ici, on peut multiplier par racine carrée de 96. On aura même dénominateur. K moins racine carrée de 87. 96 doit être supérieur à 0,5 fois 96. Donc ici, k moins racine carrée de 96. Donc ici, on met au même dénominateur 96. Et ensuite, on multiplie par 96, supérieur ou égal à 96 fois 0,5. Donc c'est 96 divisé par 2. Donc 48. K doit être supérieur à 48 plus racine carrée de 96. Peut calculer 48 plus racine carrée de 96, 57,79, donc k doit être supérieur à 58. Donc nombre minimal de résultats que j'en dois obtenir est donc égal à 58 pour que le cardiologue décide de lui augmenter les doses de son traitement.